Je pense qu'il a des éléments qui permettent en tout cas à ses conseils de plaider non coupable. Pour ma part, je suis fier de l'avoir vu, je suis fier de l'avoir vu combatif, je suis fier de l'avoir vu déterminé et j'espère que les Ivoiriens et les non-Ivoiriens, les Africains et les non-Africains seront satisfaits de cette justice, qu'on pourra enfin savoir du point de vue moral, du point de vue éthique, du point de vue philosophique, du point de vue historique, qu'est-ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. Et puis, bon, mais si jamais le président Laurent Gbagbo est innocent, ce que nous pensons, bon, mais qu'il revienne en Côte d'Ivoire, prendre sa place auprès des siens pour la réconciliation. Effectivement, il y a des ajustements encore qui ne sont pas encore totalement établis. Et ça montre bien que finalement, cette idée de justice internationale est peut-être bonne, mais que dans son fonctionnement, il y a encore beaucoup de jeunesse, il y a encore beaucoup de choses à parfaire. Hein. Bonne arrivée, Michel.